Salut à tous, c'est Paul. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment je descends en rappel et quelques astuces que j'utilise en montagne. On est arrivé au sommet de notre voie où on s'apprête à descendre en rappel et on va vous montrer comment faire. Antoine, tu peux défaire ton aiguille. Moi, je défais un câble. La câble, elle va pas partir. Merci. Donc là, je vais faire mon nœud de liaison. J'ai passé la corde dans le maillon rapide. C'est un nœud simple. Maintenant, je peux enlever mon câble. Et on peut tirer la corde. Je vais voir s'il n'y a pas de nœud. Hop. Et là, je peux en jeter la corde. Corde ! Donc là, je vais faire mon mâchard. Un mâchard, c'est un autobloquant. Une fois que tu as installé ton tube, tu peux dévacher et clipper la corde à tirer. Là, tu peux y aller. Le mâchard, c'est un nœud autobloquant. On s'en sert généralement en rappel et c'est une sécurité en plus de vos mains quand il y a un imprévu. Voilà, ça bloque. Pour réaliser un relais montagne, vous avez besoin de deux points béton. Sur le point du haut, vous prenez une dégaine et vous faites un cabestan. Et ensuite, sur le point du bas, vous y placez une sangle de 120 de préférence que vous venez relier sur le point du haut. Ensuite, vous venez réaliser un cabestan. Il faut bien penser à répartir la charge sur les deux points. Et là, vous avez un relais montagne.